Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation, une très belle question qui m'a été posée. Comment activer les étoiles sur la page Facebook? Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça du début jusqu'à la fin. Et vous allez savoir pour toutes les personnes qui m'ont contacté, par exemple sur Instagram, dans mon mail et autres, pour savoir pourquoi, par exemple, eux, leur page, ils n'arrivaient pas à activer tout ce qui est étoiles et autres. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de ça du début jusqu'à la fin et je vais faire juste un petit résumé. Surtout ce qui est abonnement par fan et aussi monétisation Facebook. Donc ça, c'est des résumés. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces détails en commentaire. Et si c'est de manière privée, tu as le mail que tu vas avoir en description et aussi tu as mon compte Instagram. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de mon compte Instagram, donc par exemple, je vais revenir d'abord sur Instagram, qui m'ont demandé, mais ici, je fais tout ce qui est web marketing. Et lorsqu'on va sur mon Instagram, on parle de tout ce qui est créateur 3D. Donc, je suis dans le BTP, c'est-à-dire dans la construction. Donc, je donne des formations aussi de logiciels d'architecture que je comprends. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas trop créer beaucoup de comptes Instagram. Donc, c'est le même compte Instagram que j'ai créé auparavant, que j'utilise toujours. Donc, c'est pourquoi tous ceux qui m'ont posé la question, vous allez voir toujours ici, Joël AC Créateur 3D. Donc, ici, c'est mon Instagram. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, on va se diriger automatiquement sur l'idée de la vidéo, comment activer les étoiles sur Facebook. Donc, par exemple, pour pouvoir activer tout ce qui est étoile sur Facebook, on va prendre le temps de lire. Donc, le plus important, avant de pouvoir comprendre quelque chose, ne te précipite pas, prends le temps de lire et comme ça, tu vas pouvoir comprendre vraiment beaucoup de trucs, que ce soit sur Facebook et d'autres plateformes que tu utilises, par exemple. Donc, ici, on dit pour activer les étoiles, sélectionner la notification relative à ces dernières. Vous comprenez? Vous devez sélectionner la notification relative à ces dernières. La première condition. Ou bien, vous voyez ici qu'on ajoute maintenant, ou bien accéder à l'onglet monétisation dans le Créateur Studio. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau du Créateur Studio, vous ne pouvez pas relier le Créateur Studio avec un profil. Le Créateur Studio se relie avec une page Facebook. Donc, tous ceux qui créent des pages, automatiquement, vous avez un Créateur Studio qui est automatiquement lié à votre page. Donc, voilà la question, voilà la réponse pour tous ceux qui m'ont posé la question là-dessus. Donc, vous devez suivre toutes les règles de Facebook et respecter tous les critères d'éligibilité à la monétisation pour activer les étoiles. Donc, ici encore, on parle de tout ce qui est règles d'éligibilité de Facebook, c'est-à-dire tout ce qui est monétisation et autres. Donc, tu dois vivre dans un pays qui est éligible d'abord à la monétisation Facebook. Voilà, donc ici, c'est la base. Donc, tant que tu ne seras pas, par exemple, dans un pays qui est éligible à la monétisation Facebook, tu seras encore limité sur beaucoup de trucs. Donc, il y a des pays, par exemple, qui sont éligibles à la monétisation Facebook, surtout en Afrique. Mais vous allez voir qu'il y a il y a quelques options qui n'arrivent pas à, par exemple, apparaître lorsque vous êtes dans le Créateur Studio. Par contre, il y a des pays, par exemple, en Europe, bon, pas des pays, mais en Europe, la majeure partie, toutes les pages sont monétisées là-bas. Il n'y a pas trop de problèmes là-bas en Europe. Il n'y a pas de problèmes surtout. Ça s'applique plus en Afrique. Ça fait vraiment mal, mais c'est comme ça. Ça s'applique plus en Afrique. Donc, premier cas, si tu n'arrives pas à comprendre, lorsqu'on parle de sélectionner les notifications relatives à ces dernières, tu vas te diriger automatiquement dans ton Créateur Studio. Le Créateur Studio, c'est très simple. Tu vas juste taper Créateur Studio sur ta page, sur Google et automatiquement, tu vas te retrouver là. De toutes les façons, dans la vidéo, je vais tout expliquer. Donc, lorsque vous allez voir ça, vous allez cliquer juste ici. Se lancer avec les étoiles sur Facebook. Donc, lorsque tu vas cliquer par exemple juste ici, tu vas te retrouver automatiquement juste là, le méta. Et là, vous allez voir quelque chose qui est vraiment très, très important. Point à retenir. Vous devez activer les étoiles avant de pouvoir gagner de l'argent grâce à ces dernières dans vos vidéos en direct. Donc, vous devez savoir que ce qui est vraiment aussi intéressant avec Facebook, c'est que Facebook, ce n'est pas une option qui est monétisée. Lorsque vous êtes, par exemple, dans un pays éligible, mais c'est beaucoup d'options, c'est un ensemble. Par contre, vous allez comprendre que, par exemple, sur YouTube, si vous comprenez, si la première monétisation de YouTube, c'est-à-dire la base qu'on a l'habitude de connaître, c'est la publicité. Ça, c'est la base. Maintenant, autour de ça, maintenant, vous allez créer, par exemple, des formations en ligne, des coachings. Voilà, ça va tourner autour de beaucoup de choses après. Par contre, sur Facebook, vous avez les étoiles. Vous avez tout ce qui est abonnement par fan. Vous avez tout ce qui est événement payant en ligne. Donc, c'est tous ces petits points, tous ces éléments clés qui vont vous permettre de pouvoir monétiser votre page Facebook. Donc, aussi, Facebook, vous avez encore la publicité. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on va continuer. Pour activer les étoiles, sélectionner la notification relative à ces dernières ou bien accéder à l'onglet monétisation dans Créateur Studio. Donc on va prendre le temps d'accéder à nouveau parce que ne vous inquiétez pas. Vous devez suivre toutes les règles de Facebook et respecter tous les critères d'éligibilité à la monétisation.
configurer un compte de règlement ou sélectionner un compte existant. Vous comprenez donc? Ne te fatigue pas, ne te casse absolument pas la tête. Si tu n'es pas dans un pays qui est éligible, faut te dire automatiquement que tu vas perdre tout ce privilège-là. Voilà, tout ce qui est publicité in-stream, tout ce qui est abonnement par fan, tout ce qui est étoile, ainsi de suite, événement, voilà, beaucoup de trucs, tu vas perdre vraiment beaucoup tout ce privilège-là. Voilà, donc c'est ce que tu dois savoir d'abord. La priorité, il faut être dans un pays qui est éligible. Donc, on poursuit la vidéo et par la suite, je vais vous montrer un influenceur que je suis beaucoup, un influenceur de mon pays. Je suis vraiment beaucoup d'influenceurs de mon pays, mais aussi, qui est la Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, mais aussi, je vais sélectionner un influenceur et vous allez comprendre pourquoi, par exemple, il y a certains de nos influenceurs étant en Afrique qui confient, par exemple, leur page à d'autres personnes, par exemple, qui sont en Europe ou bien qui vivent dans un pays éligible pour pouvoir suivre et monétiser et gagner de l'argent derrière. Vous comprenez? Donc, on continue. Donc, on se dirige automatiquement dans le créateur studio. Donc, ici, par exemple, j'ai créé une page Facebook quelconque. Donc, j'utilise cette page pour vous expliquer au fur et à mesure qu'on va apporter beaucoup d'explications sur tout ce qui est Facebook. Donc, la page quelconque, c'est-à-dire créateur, pour c'est une page fictive que je crée pour vous expliquer. Voilà, ce n'est pas ma page. Voilà. Donc, ici, si vous vous rappelez, lorsqu'on était sur Google, on dit ou bien accéder à l'onglet monétisation dans le créateur studio. Donc, on se trouve maintenant ici dans le créateur studio. Pour tous ceux qui veulent accéder dans le créateur studio, tu vas te diriger automatiquement sur Google et tu vas taper créateur studio. Donc, une fois que tu vas taper, si tu as une page, automatiquement, ça va se synchroniser. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être compliqué après, ça va se synchroniser. Donc, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On doit accéder à la monétisation étant dans le créateur studio pour voir si on est éligible à tout ce qui est, par exemple, étoile Facebook. Donc, vous devez savoir que ici, c'est une page que j'ai créée de manière quelconque. Je ne fais rien sur cette page. Donc, c'est juste pour vous expliquer. Donc, pour savoir tous ces éléments, vous avez beaucoup de détails. Accueil, notification, statistiques, pré-publication, publier, gestion de fichiers, outils, bibliothèque de contenu, boîte de réception et plus, et monétisation. Nous, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc, de ton côté, tu vas juste appuyer là-dessus. Automatiquement, tu vas avoir l'interface qui va se présenter juste comme ça. Étape numéro 1, vous ne devez pas avoir, par exemple, Facebook ne doit pas vous envoyer un message pour dire que vous avez enfreint les règles à quelque part. Donc, si votre page est correcte, de manière générale, lorsque vous allez, par exemple, vous trouver dans le créateur studio, vous allez voir qu'ici, on met aucune infraction aux règles de monétisation. Donc, ici, ça signifie que la page n'a pas de problème. Vous comprenez? Même si je n'utilise pas, mais peut-être qu'un jour, je peux tout utiliser la page, on ne sait jamais. Mais vous voyez que déjà, c'est vraiment un point clé. La page n'a pas de problème. Donc, on va descendre maintenant. Outils de monétisation à configurer. Vous voyez qu'il n'y a rien parce que je ne fais rien sur la page. Donc ici, on fait juste un petit résumé pour tous ceux qui me demandent aussi au niveau de tout ce qui est publicité in-stream, 10 000 abonnés et 600 000 minutes au cours des 60 derniers jours. Donc ici, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Donc vous allez voir que dans la playlist de tout ce qui est Facebook, vous allez trouver une vidéo que j'ai réalisée déjà dessus. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aussi au niveau de tout ce qui est abonnement par fan. Vous devez aussi être dans un pays qui est éligible. Donc, si vous n'êtes pas dans un pays qui est, par exemple, éligible, ça sera très difficile pour vous de pouvoir débloquer cette fonctionnalité qui va aussi vous aider à avoir des revenus. Voilà, parce que là, vous allez configurer tout ce qui est abonnement par fan et les gens qui vous suivent par leur propre gré, ils vont vous faire, par exemple, des dons. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est eux, comme ils aiment, par exemple, ce que vous faites, ils vont vous faire, par exemple, des dons. J'ai déjà aussi réalisé une vidéo là-dessus. Donc, ici, on va juste descendre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est, par exemple, étoile. Voilà. Donc, étoile, c'est quoi? Les spectateurs peuvent acheter des étoiles et vous les envoyer lors des diffusions pour afficher leur soutien. Donc, c'est comme un soutien. Par exemple, actuellement, je réalise une vidéo. Si, par exemple, une personne, ou bien sur mes chaînes et autres, ainsi de suite, si une personne, ou bien sur ma page aussi, aime ce que je fais, et moi, j'ai déjà fait, par exemple, la configuration, comme par exemple, comme l'abonnement par fan, quelque chose comme ça, je configure quelque chose comme ça et je dis, par exemple, si tu veux me soutenir, par exemple, c'est 1 euro ou bien 2 euros. Voilà, la personne peut venir par son plein gré. Ce n'est pas une obligation. Et comme il adore ce que tu fais, il va te donner, par exemple, il peut lui donner 1 euro. Il peut même aller au-delà de ça. Ça dépend de lui. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Voilà, donc c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc, on répond, les spectateurs peuvent acheter des étoiles et vous les envoyer lors des diffusions pour afficher leur soutien. Facebook vous payera selon les étoiles que vous recevez. Vous comprenez? Idée pour créateurs ayant des abonnés actifs. Donc, on ne donne pas aussi les étoiles aussi à n'importe qui.
C'est ça aussi. Peut-être qu'on va, on va dire c'est quelque chose qui n'est pas aussi trop compliqué, mais sur ta page Facebook, tu dois être vraiment actif. Vous comprenez? Donc, c'est plus tu seras par exemple actif et que tu vas vraiment comprendre vraiment beaucoup de choses. Et Facebook va trouver que toi, tu es vraiment beaucoup sur la plateforme et automatiquement, ils vont aussi t'aider. Mais n'oublie surtout pas, côté éligibilité, vivre dans un pays qui est éligible. On dit éligibilité uniquement sur invitation actuellement. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire au niveau des étoiles. Maintenant, on va continuer au niveau de tout ce qui est vu d'ensemble. Par exemple, on va chercher en savoir plus. Par exemple, ici, j'appuie. Donc, excusez. On va chercher juste, voilà, voir l'éligibilité de la page. Donc, vous savez qu'ici, je ne fais rien. Voilà. Donc, pour les étoiles, vous allez descendre, vous allez appuyer juste ici, par exemple. Et vous allez voir juste là, étoile. Vous voyez? Voilà. Les étoiles sont des biens virtuels qui vous permettent de gagner de l'argent et d'interagir avec vos abonnés. Vous comprenez? Meta vous paye pour chaque étoile que vous recevez. On savoir plus. Donc, tu peux aussi appuyer ici et tu vois, par exemple, on va par exemple voir encore d'autres trucs. Voilà. Vous comprenez? Vous pouvez venir ici et vous allez avoir, par exemple, d'autres trucs. Vous comprenez? Donc, avant de venir ici, on va encore continuer juste ici. Donc, ici, vous devez savoir que tant que tu n'es pas dans un pays éligible, ça sera vraiment très difficile de pouvoir activer tous ces éléments-là. Par exemple, ici, comme c'est une page que je n'utilise pas, donc c'est pourquoi vous voyez que critères non respectés, critères non respectés, critères non respectés. Voilà. Donc, j'ai déjà réalisé une vidéo dessus sur tout ce qui est publicité stream, sur abonnement par fan, sur instance article. Voilà. Donc, voilà les conditions que vous devez, par exemple, respecter au niveau des étoiles. Maintenant, on a appuyé ensemble sur, par exemple, en savoir plus. Donc, on va prendre le temps de revenir juste ici. Et dans certains cas, les utilisateurs ne peuvent pas vous envoyer d'étoiles. Les pays suivants ne prennent pas en charge l'envoi d'étoiles. Par exemple, la Crimée, le Cuba, l'Iran, Corée, voilà, Syrie et autres. Donc, vous devez savoir que, par exemple, on va prendre le temps de lire cette partie et vous allez comprendre encore d'autres choses. La fonctionnalité étoile Facebook vous permet de monétiser votre streaming. Les utilisateurs peuvent acheter des étoiles et vous les envoyer pendant que vous streamez. Les fans peuvent également joindre des cadeaux virtuels animés aux différents montants en étoiles qui apparaissent dans votre streaming. Chaque fois que vous recevez une étoile, Facebook vous verse 0,01$. Vous comprenez? C'est vrai, les gens vont dire non, c'est peu, mais en revenu passif, en tout ce qui est revenu passif, tout ce qui est l'argent, il n'y a rien qui est peu. C'est petit à petit qu'on collecte et ça devient beaucoup. Vous comprenez? Donc, lorsqu'un utilisateur vous envoie des étoiles, vous en êtes informé via la description instantanée. Vous pouvez consulter votre nombre total d'étoiles dans le Créateur Studio, sous statistique d'étoiles. Donc, dans le même Créateur Studio, voilà, on va juste fermer juste cette partie par exemple. Dans le même Créateur Studio, ici la partie étoiles, vous avez un Créateur Studio où vous allez avoir tout ce qui est statistique. Par exemple là, vous pouvez avoir performance de la page et autres, tout ce qui est statistique. Donc, au niveau des étoiles, ce que vous devez comprendre. Maintenant, on va se diriger sur la page d'un influenceur de mon pays que je suis vraiment beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes qui suivent, par exemple, qui vont tomber sur la vidéo, peut-être qu'ils connaissent déjà Barbados. Vous allez voir que, comme je vous disais au départ, généralement, beaucoup d'influenceurs qui sont en Afrique ouvrent les pages dans des pays qui sont éligibles. Vous voyez que ici, je vais par exemple dans la publication et vous voyez que la page créateur de vidéos humoristes fait vraiment beaucoup rire. Voilà. Et ici, vous allez voir que, par exemple, la page a été créée à Bordeaux. Vous comprenez? La page a été, par exemple, créée à Bordeaux. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Par exemple, lorsqu'on va venir là à propos, on va rester juste là. Donc, vous voyez qu'ici, la page a été créée à Bordeaux. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est étoile. Un, c'est des gens qui vont vous envoyer ça de l'air plein gré. Deux, c'est des trucs que c'est pas une obligation. C'est quelqu'un qui aime et puis il te donne des étoiles comme un don. De trois, vous devez être dans un pays éligible. C'est la base. Et voilà, si vous respectez tous ces critères, vous allez voir qu'automatiquement, c'est un peu comme l'abonnement par fan aussi. Voilà. Donc, tout tourne autour de tout ce qui est éligibilité de la page. Tout ce qui est, c'est-à-dire dans quel pays tu vis, est-ce que le pays où tu vis est éligible. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!